Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا ليكتور دون لونيتي 5 لانفيرونمون سيمين 3 اي 4 لي باج 156 157. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، فرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. C'est bien, donc l'yoma va dire l'activité de lecture, le texte, la voix de l'océan. Donc avant de lire le texte, avant de lire le texte, ou bien je vais lire les questions proposées dans la rubrique j'observe et je découvre avant la lecture. Je note le titre du texte. Le titre c'est la voix de l'océan. La voix de l'océan est Nisautu al-Muhit. L'océan, ça fait. J'observe l'image, donc l'image hier a dit le ciel, la plage, il y en a la mer, il y en a dans la mer une vague comme une personne, d'accord? Regardez, donc je décris l'image, donc regardez-nous sauf l'image. C'est la mer, donc la mer, une vague, quand je trouve une vague, il y en a une vague à des yeux. Et bouche, la bouche, donc aussi des objets sur la mer, des objets comme le bateau, donc il y en a des chapeaux, il y en a, d'accord. Y a-t-il une ou deux images? Il y en a deux images, il y en a une image, d'accord. Il y en a une image, ça fait. Donc, une image. J'écoute la lecture du professeur. Je vais vous lire le texte, suivez avec moi maintenant. La voix de l'océan. Je suis la mer, au mot connu, je suis salé. Je suis bleu quand le ciel est bleu. Vert quand le ciel est vert. Si vous me préférez rouge, je suis la mer rouge. Noir, je suis la mer noire. Jaune, de Corée, etc. Pendant que vous dormez, je cache dans les roches les étoiles roses et les petits crabes que vous trouverez au matin. Je vous lèche les pieds de mes 100 000 langues, mais je peux être le grand vent, j'emporte les chapeaux. Mais je peux être la tempête, j'emporte les bateaux. Fais claquer les drapeaux, il ne faut jamais oublier qui je suis. Je suis très vieille et les marins tremblent quand je frappe à la porte de tous les cafés du port. Je suis la mer, avec ses poissons, ses baleines, ses jardins engloutis, ses trésors, la mer, avec ses fleurs, ses nuits noires et ses soleils noyés, la mer avec ses coquillages, la mer. Donc, à d'avoir le texte. Je répète la lecture. La voix de l'océan, Sautul Muhit. Je suis la mer, Analbahar. On me connaît, Karfouni. Je suis salé, Anamalih. Je suis bleu quand le ciel est bleu. Verte quand le ciel est vert. Si vous me préférez rouge, il a brisé une con hamar. Je suis la mer rouge. Noir, je suis la mer noire. Jaune, asfar et de corail. Marjani. Pendant que vous dormez, je cache dans les roches les étoiles roses. Kenchabbi, felhjar, nojoum, el rose. Les petits crabes que vous trouverez au matin. Les petits crabes, il y a des carachettes. Je vous lèche les pieds de mes 100 000 ans. Mais je peux être le grand vent. J'emporte les chapeaux. Mais je peux être la tempête. J'emporte les bateaux. J'emporte les bateaux. Fais claquer les drapeaux, on hésse les drapeaux, il ne faut jamais oublier qui je suis. Je suis très vieille. Et les marins tremblent quand je frappe à la porte de tous les cafés du port. Les marins, yani dak le bahara, qui khafou mni bzaf, mnin kandak le bab diel khawi diel mina. Je suis la mer, avec ses poissons, bilhout dielo, ses baleines dielo, les jardins engloutis, et ses trésors, ou le konus dielo. La mer avec ses fleurs, le bahar, bil azhar dielo, ses nuits noires, bil layali le khala dielo, et ses soleils nuits. La mer avec ses coquillages, et la mer. Donc, c'est le texte. On va le faire en arabe, je vais vous faire. Pendant la lecture, je réponds aux questions.
Je lis silencieusement le texte, nous avons lu le texte, et je réponds aux questions. Je vois les questions. La première question, comment se rendons-nous compte que la mer est salée? Bech nous savons que la mer est salée. Donc, c'est un cas, d'accord? On peut goûter, yani, nanana, goûter, l'eau de la mer, ça va. La deuxième question, quelles sont les différentes couleurs que peut prendre la mer? Donc, bleu, le ciel bleu, aussi vert, aussi noir, aussi jaune, aussi de Corée, d'accord? Deux la page 157. La mer dort-elle? Wesh, la mer qui naisse. Wesh, le bhar qui naisse. Non. La mer ne dort pas. Qui naisse. Quelle est la phrase qui le montre? Je n'ai pas le jumelé, les katibim, bien n'a pas qui naisse. Ah ouais. Pendant que vous dormez, je cache dans les roches les étoiles roses et les petits crabes. C'est vrai? Donc, tu vois, pendant que vous dormez, je cache dans les roches. Dès nous jouons les étoiles roses. Donc, on met le point. Quels sont les dégâts que peut provoquer la mer? Donc, les dégâts, donc, dans le texte, je suis la mer, donc, mais je peux être la tempête. D'accord? Il peut provoquer, donc, elle peut provoquer quoi? Elle peut provoquer des naufrages des bateaux, yani les bateaux, d'accord, ça va, d'accord, des dégâts humains. Pourquoi les marins tremblent-ils? Alors les marins, le bahara qui khafou. Donc la qui khafou, c'est la mer, peut-être, la tempête, peut-être qu'il y ait la tempête. Ça fait. Donc, il y a des choses qui font les marins. Donc, quels sont les trésors que contient la mer? C'est normal. Le kounouz, les kénines, la mer. Donc, les poissons, cayenne aussi les baleines, cayenne les fleurs, etc. D'accord. C'est bien, donc maintenant je retiens. Les bienfaits de la mer, elle fournit les poissons et les fruits de mer, elle permet la formation des nuages de la pluie, elle offre de belles plages aux estivants, elle est un lieu de plaisir, baignade, croisière, port nautique. Donc, d'où les bienfaits. La plage ou bien la mer. Les dégâts qu'il peut provoquer, les naufrages des bateaux, les noyades et les tsunamis. Tsunami, d'accord? Ça va? C'est bien. Donc, je montre un jeu, relis le texte attentivement. Donc, on a appris le texte. Je reprends la lecture, m'adresse à la mer. Donc, question de l'évaluation. J'écris ce que j'ai appris de nouveau sur la mer. Donc, je ne sais pas ce que j'ai dit. Elle a fait la mer. Donc, j'ai appris que la mer a un dos des bienfaits. Un dos des bienfaits. Donc, les poissons, etc. Et des dégâts. عنده خسائر كذلك بحال نوفراج دي باتو صافي
Je note les précautions qu'il faut prendre pendant les bagnards. Donc, par exemple, nager quand la mer est calme. Fais attention aux grandes vagues. Choisir la bonne plage. Donc, ça fait, c'est bien. Donc, pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire, ou l'activité de lecture, la voix de l'océan. Comme